Et bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà repartis pour la suite de nos aventures. Morglum, trop la haine, hop, on continue. Je sais que t'as trop la haine, mais il faut... On va aller explorer par ici, tiens. Ça c'est bien. Toi, on t'a donné tes ordres. I'll use my spells. Alright, I'm going. Oh! Let's smash them good. Bah voilà! Salut, sale bâtard! C'est moi. Marvin. T'as peur? T'as peur? Dis-moi, t'as peur? Moi, ta place, j'aurais peur. Kill the geeks. Ok. Voldemort likes it. On se met en pillage. C'est dommage qu'on puisse pas piller facilement les terres Skaven. Ils me prennent de ces ressources, ces Skaven de merde. J'hallucine. J'hallucine. En train de réfléchir à comment je dois gérer ça. On va partir vers le sud. On va partir vers le sud. J'aurais peut-être pas dû partir vers le sud. Alors, on n'a pas de magie. On n'a pas de magie. Putain. Ok. On va aller... On a repéré que c'était à eux, on va juste les piller en fait. On va venir genre se mettre par là. On va attendre que Grimgore se radine. Ça c'est pas mal. Remarque. Sincèrement, si on peut se battre à côté d'un guet comme ça, moi ça me va bien. Hein. 240, c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix. Waouh. Ça, ça me fait peur hein, quand je vois ça. Fais-toi la main. Voilà, c'est bien ça. Tu te fais la main. Il y a des pertes supplémentaires qui sont infligées. On continue à le monter en personnage de campagne. Ouais. C'est pas dit qu'il puisse tenir cet assaut là. Hein. Concrètement. Toi, tu restes là. C'est mon mage à moi. Gork s'en charge, on le conserve. Toi aussi. Immortel. Merci, mon dieu. Ils ont qu'une seule colonie. On va peut-être essayer de la péter cette colonie tout simplement. Et une fois qu'on aura pété la colonie, on sera en chemin pour aller là-bas. Par contre, elle doit être fat. Hein. Ok, on a perdu. Oh non, ils ont gagné. Dommage alors. Ouais, ça c'est bien. La lune crochue, normalement. C'est Skarsnik, on va pouvoir faire ressortir Skarsnik. On va lui péter la gueule pour le confédérer. Ça me paraît une grande idée. Ça me paraît une grande idée. On va voir qu'on fasse pareil avec Azag, mais c'est un peu plus compliqué, je le sens.
Come on. On va, lui, on va le radiner en fait vers les, vers là-bas. Niveau 3, niveau 3, allez. Ok, ok. Toi. Bon, Scarsnik est là, on le sait. Pourquoi on essaye d'aller voir par là, je pense. Ouais, ok, donc tout a été récupéré par les nains ici. Désolant. On n'a pas 2-3 trucs à construire. Ok, il nous faut de l'argent un peu de côté là. Là aussi il nous faut un peu de l'argent de côté. On va voir comment ça se passe. Bon, Paragvar aura peut-être d'autres soucis à s'occuper que de moi. Alliance militaire, ordre d'eau. Putain la vache. Là, le. Comment ça s'appelle? L'axe du bien, il est bien, justement. Oh, ne m'attaque pas. On va tuer le clan Morse. Ok, donc non, en fait, c'est les humains qui ont des problèmes avec les vampires. Ok. Green profit. On a Skarsnik. Ready for murdering. That's what Mork wants. In the motion. S'il peut sortir, on le démonte. Ok. Ok, ça, on a signé la paix ici. Normalement, on est en paix avec le. Avec tout ce côté-là. Là. Donc là, on n'a pas de soucis à se faire. Il faut qu'on gère le clan Morse ici et Skarsnik qui est au centre chez nous. Il va bientôt voir qu'on se retourne contre les nabos. A tort ou à raison, on verra bien. Toi, tu vas te casser tout simplement. You come to speak to the voice of the vengeful. Ultime défenseur, très bien. On va la laisser gérer contre les ultimes défenseurs. Ouh. On va lui envoyer lui en soutien. Ok. Soit. Yes, it'd be proper good.
I'll use my spells. Find a cave. Gotta be quick. Yes, sneaky plan. Bon, on va voir si ça fonctionne ma strat. J'aimerais bien récupérer Skarsnik, ça serait top. On pourrait avoir facilement une troisième armée avec comment ça s'appelle? Avec une armée de gobelins, comme on est en train de faire avec Skarsnik actuellement. Hein. Yes! Normalement... Est-ce qu'on nous laisse le choix de la confed? Oh, j'espère tellement. Mais s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Oui! S'en fout. Au rocher de fer, si tu veux. Ouais. Monte au dernier tiers. Dans 5 tours. Bon bah voilà. Despair involve fighting. What do you want? Move in. Move in. Tu deviens glissant. Ça va, ils sont pas si costauds que ça, hein, concrètement. Ouais. Là, on a une belle armée, hein. Ça fait plaisir à voir. On va attaquer les défenses et on va essayer de leur rentrer dedans, hein, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait pas ramener Urzag, histoire de faire un assaut combiné? Allez, on relâche la pression ici. Move, move! Putain, ils sont partout, hein, Karazakarak. Hein. Hornet! Hornet! Concasseur. Ouais, ça me plaît, ton trajet. Come on! On va aller par là pour voir un peu ce qui se passe. On va découvrir un peu de terrain comme ça. Gorfang. Bah, nickel. Ça va partir en rébellion. Ah putain. Bon, ça va nous prendre un peu plus de temps que prévu, c'est pas grave. On garde juste l'info ici. Gorfang, tu vas rester là, tu vas claquer du... Tu vas essayer de pex sur la... sur l'armée qui arrive. Parfait. Et on passe le tour. 10% d'entretien en moins, mine de rien. Ça nous ferait économiser 130 balles. Attends, vas-y, fais voir. À moins que ça soit sur si c'est sur l'entretien global, on va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est cool. On va aller piller un peu chez les vampires. Grimgor va aller péter la rébellion à Karako 8 pics. Une fois qu'on aura fait ça, on s'occupera du clan Volk. Non, on va finir le clan Morse.
On sera le clan Volkn après. Une alliance militaire. Et ils nous payent en plus. Ouais, ils sont en guerre contre nos futurs adversaires. En plus, on peut utiliser nos alliés pour rejoindre la guerre et on n'aura peut-être pas de malus à la diplomatie. Tour prochain, toi t'es mort. Allez, tu vas devenir spécialiste. I'm the prophet. All right then, let's do it. I'm off. Yes, every proper good. 721, on gagne en thune. Ok. Ok. C'est ça que je voulais regarder. Entretien de l'armée, moins 9000. Franchement, si le moins 10% c'est sur le supplémentaire, on gagne 130 en thune. Si jamais c'est sur le 9000, on va gagner 900 balles en thune. On pourra recruter au moins un Scar Sneak. On est bon. Là, ça cavale. Ok, donc ça, c'est les Norse qui descendent. Ok. Faction rencontrée couronne. Petite confédération, soit. Alliance militaire Estelle-Karazaka, putain. Si je déclare la guerre aux nains, je vais me retrouver avec le monde entier sur les sur le dos. Ça c'est pas grave. Vallée du fleuve de sang, il va falloir qu'on la gère celle-là. Me on the way, this way. Ok, donc c'est un territoire vampire ici maintenant. Ah, ils sont en peste. Vous êtes en guerre contre quel rat, vous? Contre le clan Mulder, d'accord. On peut augmenter le sueur de nu, mais je vais pas m'en servir, on va faire répandre de l'ordre public. Un dueliste. Allez, tu reprends de l'exp, toi. Parfait. Allez, Grimgore, tu me fais ça. Proprement, s'il te plaît. Qui souffle pas trop non plus. On prend l'or. On est courageux.
on va prendre... Attends, on peut pas encore. On va améliorer ça. Améliorer ça. Allez, on trace. Ils arrivent! Bordel de dieu. Le clan Mulder arrive par là, là. Ouais. Wurzak, the great green prophet. Et Kroon, ça peut tenir ou pas? Non! Great prophet! Gorgemort likes it! Shifting! Je veux pas qu'il puisse passer avec Kroon facilement. Si jamais on a un combat ici, le combat va être âpre. S'ils prennent les mines de la corne du dragon, bah, ça va être bien pour eux. On les repoussera une fois de plus, hein, tout simplement. Je sais pas où est la... Où est l'armée de Morgheim. Ok, donc là, il y a une autre, pop. Let's go. This way. Skyron, Skyron a été capturé. Bien. Merde. La vallée du fleuve de sang. Non. Terrari 2, c'est où la vallée du fleuve de sang? Ah mais... On va les laisser gérer, c'est pas... Même si... On va les laisser faire. Ok, on a le mont Gunbad là. C'est important de découvrir un peu la map. Si on repousse les nains au sud, ils vont avoir du mal à venir. Quoi, ils pourront venir jusqu'à nous, mais on les verra arriver quand même de relativement loin. Et le fameux combat. Par contre là on a de l'artillerie et des tireurs, ça c'est pas cool. Et Urzag n'a pas de sort. Donc c'est pas dit qu'on arrive à le gagner ce combat, mais on a Grimgor qui est pas loin. On va faire ça au prochain épisode, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. A bientôt tout le monde et bye bye.